Sachets de thé, talc, farine, les astuces sont très nombreuses sur internet pour lutter contre les odeurs dans les chaussures. J'en ai testé une qui fonctionne très bien. La voici. Vous faites du sport, vous souffrez de problèmes de transpiration, vous portez des ballerines. Les filles savent de quoi je parle. Bref, quand vous entrez dans une pièce, vous l'embaumez, les gens murmurent, parlent autour de vous. Vous vivez un enfer. Je vais mettre fin à vos souffrances. Pour cela, il vous faut du bicarbonate de soude, pour changer, et de l'huile essentielle de géranium. Alors, c'est bien simple. Vous allez saupoudrer votre chaussure de bicarbonate de soude. N'hésitez pas, on met la dose, on y va, qu'elle soit en cuir, qu'elle soit en daim, qu'elle soit en toile, en tissu, en alpaga, on y va, on saupoudre. Ensuite, à côté de ça, vous allez verser sur un mouchoir en papier 5 gouttes d'huile essentielle de géranium. Ça va permettre aussi de désodoriser. Vous enfoncez ce mouchoir au fond de la chaussure. Vous faites ça, évidemment, chaussure droite, chaussure gauche. Hein. Alors, on a rarement les pieds qui sentent mauvais juste à droite ou à gauche. Et vous laissez reposer toute la nuit. Le lendemain matin, vous allez pouvoir mettre des chaussures fraîches qui retrouveront toute leur jeunesse, qui vous donneront même l'impression de courir dans un champ. Si vous voulez d'autres astuces, vous pouvez aussi vous faire un bain de pied de temps en temps avec 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans de l'eau tiède. Vous mettez vos pieds pendant 15 minutes, vous laissez reposer, ça sera l'occasion de vous détendre, de regarder un petit épisode des bons plans par exemple. Surtout privilégier les chaussettes en fibres naturelles, à savoir le coton, la laine et le bambou. Et bien sécher vos pieds en sortant de la douche. Ça, c'est très important. Et j'ai une petite recommandation à vous faire. Si vous utilisez ces huiles essentielles, faites très attention. Respectez bien le dosage. Et ce n'est pas recommandé aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 3 ans. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager sur le comptoir de la débrouille. C'est un groupe Facebook où on échange tous nos bons plans.